Les tensions montent après une semaine de violence entre Israël et ses voisins palestiniens, syriens et libanais. L'étincelle qui a déclenché les derniers conflits armés s'est allumée lorsque la police israélienne a fait un assaut mercredi dernier dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu sacré de l'islam après la Mecque et Médine. La partie israélienne a affirmé qu'elle tentait de déjouer les tentatives d'émeute, mais les critiques ont dénoncé une attaque flagrante contre les Palestiniens pendant le mois sacré du Ramadan. Jeudi, les premières attaques à la roquette contre Israël en provenance de la bande de Gaza et du Liban ont donné lieu à des tirs de riposte de la part de Tel Aviv. L'armée israélienne a également lancé des frappes aériennes sur la Syrie dimanche, après deux tirs de roquettes sur le plateau du Golan annexé par l'État hébreu.